L'histoire de Noël. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres de plusieurs façons, par l'intermédiaire de prophètes comme Ésaïe. Un enfant de la famille de David va naître. Il sera saint. Ou comme Jean le Baptiste. Préparez le chemin. Dieu a également parlé par l'intermédiaire d'anges à des gens comme Zacharie. Élisabeth et toi, vous aurez un fils. Son nom sera Jean. Et comme Marie. Joseph et toi, vous élèverez un fils nommé Jésus. Le premier Noël, Joseph, qui était de la famille de David, se rendit avec Marie à Bethléem, la ville de David, alors que Marie était enceinte de Jésus. Quand Marie et Joseph arrivèrent à Bethléem, il n'y avait plus de place à l'auberge. Non, on est complet. Ainsi donc, Marie donna naissance à son fils, Jésus, dans une étable. Marie coucha Jésus dans une mangeoire. Tout près de là, il y avait des bergers qui gardaient leurs moutons. Un ange leur apparut et leur dit : N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, source d'une grande joie pour vous, toutes et tous, car Jésus est né aujourd'hui. Soudain apparurent d'autres anges louant Dieu. Gloire à Dieu ! Au départ des anges, les bergers se dépêchèrent d'aller à Bethléem pour rencontrer Jésus. Bien loin de là, des mages venus d'Orient observaient une brillante étoile dans le ciel. Ils suivirent cette étoile jusqu'à ce qu'elle s'arrête à l'endroit où se trouvait Jésus. Transportés de joie à la rencontre de Jésus, les mages ouvrirent leur coffret à trésors et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'histoire de Noël se poursuit avec nous. Tout comme Dieu a parlé par la bouche des prophètes comme Ésaïe et Jean, à des personnes comme Zacharie et Marie, Dieu nous parle aussi en ce moment. Et tout comme les mages, nous présentons des offrandes à Jésus et nous partageons ces dons que Jésus nous offre. Dons d'espérance, de paix, de joie et d'amour, pour créer un monde meilleur avec les autres. Gloire à Dieu, paix sur la terre et bienveillance envers toutes et tous.